Parchemin de cendre est ma deuxième pièce pour trompette et orgue et je l'ai créée avec mon ami David Guerrier le 8 juin 2021 à l'auditorium de Radio France. Il s'agit d'une commande de Radio France et des orgues en béthunois. Composée pendant la période du confinement, c'est une pièce qui se tourne vers le passé, vers le temps passé. La trompette commence avec une mélodie modale, presque médiévale, que voici. Et le temps passé tourne à l'orgue avec un accompagnement qui peut faire penser au balancier d'une horloge. Cette première partie est lyrique et la trompette, les instruments vont s'intensifier. Cette pièce est construite en trois parties et chaque partie explore une technique de la trompette. La première, le phrasé, la deuxième partie, la tenue du souffle du trompettiste et la troisième partie, le détaché triple. Pour la deuxième partie, un deuxième thème de trois notes seulement. Ces trois notes vont donner lieu à une lente et progressive passacaille qui ira du piano vers le fortissimo jusqu'à un extrême do dièse à la trompette strident. La troisième partie est virtuose et elle explore le détaché triple du trompettiste, mais aussi le jeu staccato et le détaché double. J'y ai utilisé les deux premiers thèmes, le premier que voici, et le deuxième en staccato. Et les deux se fondent. Cette dernière partie est virtuose par la vitesse de jeu du trompettiste, mais aussi par la puissance des deux instruments, les accords presque apocalyptiques de l'orgue et la tessiture aiguë de la trompette. Parchemin de cendre signe un regard du passé qui n'est en réalité que le ressenti de notre présent. Je vous invite à découvrir cette pièce en cliquant sur le lien ici.